fanatique tout pour ta channel, comment nous y est? Je vous dis à son plaisir encore une fois pour que nous soyons capables d'informer nous de tout ça qui a passé dans la question football. Ou même qui aime le football, ou même qui est fanatique football. C'est toujours un plaisir et un contentement pour moi pour que nous soyons capables d'informer nous, pour toute information pour nous dans ce qui a rapport avec le football. Et ça que nous sommes capables de remarquer, je dis à la, nous allons parler de sélection haïtienne féminine noire, qui est sélection senior là, qui est pour jouer un match, dernier match avec l'équipe Cuba. Je dis à nous allons porter pour un petit détail de parcours sélection. Hein. Sélection cubaine, non? Sélection haïtienne, non? Nous allons porter une petite information pour vous. Et comment parcours atteindre. Et comme la sélection haïtienne qui pour jouer un match jeudi à même avec la sélection cubaine. Et nous avons un match qui pour jouer en République dominicaine à 6h PM. Ok? Ça veut dire nous avons pour nous porter quelques détails pour vous. Pas oublier, pour nous faire un rappel pour vous, la sélection haïtienne sont malmenée. Et équipe Il Viège britannique là 21 goals à 0, c'est malmené Il Viège britannique 21 goals à 0. Nous avons remarqué sur channel là, nous mettons information pour jouer avec Fegolio et comme formation lisse jouer qui commencé match football là, c'est malmené sélection Il Viège britannique là, 21 goals à 0. Mes amis, ça a son score tennis. Jean-Luc a remarqué là. Et en entrant dans le sujet nous pour aujourd'hui, nous connaissons que sélection haïtienne dans le groupe EA. Il est dans le groupe EA. Groupe ça qui vient là-dedans Haïti, Honduras, Saint-Vincent, Il Viège britannique et puis Cuba. Faut qu'on dit non, sélection haïtienne a joué 3 matchs, même j'ai équipe Cuba qui joué 3 matchs. Et sélection haïtienne a été joué avec équipe Honduras là, côté que le bat Honduras bien bat 6 goals à 0. Après ça, sélection haïtienne t'es joué avec équipe Saint-Vincent et Grenadine côté il était cassé maintenant mais Saint-Vincent et Grenadine 11 goals à 0. Il t'a pas joué troisième match li avec Il Viège britannique côté que il humilié Il Viège garde ça son score tennis Jean que me dit tout à l'heure les humilié Il Viège britannique 21 goals à 0. Et c'est comme ça, c'est dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde qui est pour faire dans le pays Australie et Nouvelle-Zélande en 2023 qui a fini là. Faut me dire non, c'est tout préliminaire éliminatoire Coupe du Monde ça. Et Haïti pas de droit à l'erreur. Nous avons l'autre match pour jouer là avec l'équipe qui bat. Jeudi à même, à partir de 6h PM, il faut me dire non bien, l'équipe Cuba lui-même a joué 3 matchs. Il a joué avec Il Viège britannique. Quand il a passé Il Viège britannique, il a question de 14 goals à 0. Cuba a joué avec l'équipe Saint-Vincent et Grenadine quand elle a passé Saint-Vincent et Grenadine 3 goals à 0. Il a joué avec le dernier match équipe Cuba a joué là, c'est avec l'équipe Honduras quand elle a fait nul 0-0. Et comme la sélection nationale féminine noire, qui c'est, et mesdames, nous remettons un peu là. Et ils ont joué 3 matchs, ils ont marqué 38 goals et ils n'ont pas pris aucun goal. Ça veut dire filet sélection nationale vierge jusqu'à maintenant.
Et l'équipe Cuba elle-même, elle joue 3 matchs tout. Jacques Mso dit tout à l'heure, elle était joué avec Honduras, elle joue avec El Viège et Britannique, et puis elle joue à Saint-Vincent et Grenadine. Elle a marqué 17 goals, elle a beaucoup encaissé 1 goal. Considéré match Haïti gagne pour jouer avec Cuba Jodia, c'est un match, c'est tant pour une finale. Haïti simplement besoin d'un match nul pour que les capables et qualifier pour l'autre phase qui gagne pour organiser. Parce que Haïti dans groupe EA, il y a 9 sur 9, ça veut dire il joue 3 matchs, il gagne tous les 3 matchs. OK, avec il gagne 9 points et Cuba les mêmes joué 3 matchs. Il gagne 2 matchs, ils font match nul, ça veut dire Cuba a 7 points, Haïti a 9 points. Ça veut dire automatiquement que nous faisons match nul dans match Cuba et n'a bien opportunité pour nous traverser dans phase qui gagne dans l'autre phase qui gagne pour organiser forme de phase, ça gagne pour organiser dans pays Mexique. OK, ça forme disons ces phases qui pourra le plus important que pour sélection nationale non hein? Mais jusqu'à présent j'ai que me dit dans la vidéo que me fait avant bon font retourner derrière dans la vidéo me fait avant me dit non que sélection il vient britannique là pas représenter un danger pour sélection nationale non parce que ça c'est le plus faible dans poule là sélection il vient britannique c'est le plus faible dans poule là nous avons remarqué Cuba qui a mené 14 goals à 0 et puis nous même nous malmené équipe ça 21 goals à 0 ça son score de tennis ça que nous dit nous talvea dans poule EA c'est équipe il vient britannique là qui plus faible dans poule là. OK, j'en que nous sommes dit tout à l'heure, sélection nationale haïtienne, non, ça veut dire sélection senior femme, non, qui pour jouer le dernier match dans tout préliminaire éliminatoire Coupe du Monde 2023 qui est pour organiser en Australie et Nouvelle-Zélande avec l'équipe Cuba. OK? Avec l'équipe Cuba. Nous avons joué le dernier match dans tout préliminaire là. Et nous avons besoin seulement d'un match nul. Mais ça va veut dire pour autant, nous ne pouvons pas chercher victoire. Nous pouvons faire tout ça que nous sommes capables pour nous malmener Cuba. Parce que, forme disons bien, Cuba va plus fort passer nous. OK? Il va plus fort passer nous. C'est que moi, la sélection nationale a motivé et a confiant pour que nous sommes capables gagner match c'est la jodia qui c'est 12 avril 2022. OK, veut dire c'est Haïti Cuba à 6h PM. Par rater occasion son match qu'a joué en République Dominicaine sans que nous tout ca remarqué li. Et moi je suis très confiant et me crois dans sélection nationale féminine là. Même si jusqu'à présent, monsieur Noyo a copié copain, il a beaucoup de résultats. Et malgré le sélectionneur qui c'est Pierre Jean-Jacques, et Pierre Jean-Jacques, il faut comprendre ce qui a passé dans l'équipe là, parce que la sélection nationale là, haïtienne et masculine noire, et copié copain, et a boité, nous sommes béquilles. Mais moi te quoi mesdames nous mêmes porter en pile bel plaisir pour nous en pile belle ambiance pour nous et c'est comme ça ça est et parmi les fanatiques Tripoda Channel moi ou même amis qui tombé sur vidéo ça pourquoi abonner à channel là parce que nous gagne pour porter l'autre information pour vous n'a rappeler que nous gagne une émission nous gagne pour nous faire sur Coupe du monde qui pourra le faire dans pays Qatar sorti 21 novembre pour arriver 18 décembre qui va venir là qui relé en parler boule Qatar 2022 et nous avons pour pile information pour nous
Mais en attendant, n'a pas de information pour nous sur sélection haïtienne senior féminine noire qui est en bataille là, qui a cherché, qui a bataille très dure pour jouer une bien qualification pour mondial qui est pour faire dans le pays Australie et puis Nouvelle-Zélande en 2023 qui a venu là. Ok? C'était un plaisir, c'est toujours un plaisir pour moi pour que je sois capable d'informer nous, pour me porter tous les petits détails pour nous, toutes les informations pour nous sur ce qui a passé, que à l'échelle nationale et internationale, nous sommes toujours là pour me porter des informations pour vous. Pas oublier, faisant mon famille abonné si que vous faites ça. C'était Chanel Bola, Tripodai Chanel. Nous vous encore dans l'autre vidéo. Bye bye, à la prochaine.